Après les actions commerciales d'animation de Pointe-à-Pitre, ainsi que les opérations citoyennes de nettoyage des égouts du centre-ville, l'Union des services et commerces Pointe-3, l'USCP, passe à la vitesse supérieure en concluant une convention avec la société Agence Rénovation du Bâtiment, ARB. Cette entreprise, mandatée par Total Direct Energy, est très investie dans une démarche de promotion des économies d'énergie auprès des particuliers et des professionnels, est chargée à travers cette convention d'entamer des actions conduisant à la réduction d'énergie en faveur des entreprises et des habitants de Pointe-à-Pitre. Concrètement, il s'agira pour les intéressés de remplacer leurs ampoules à incandescence par des LED, de bénéficier d'opérations d'isolation de leurs combles ou toitures ou tout autre traitement d'isolation. Il est évident que cette convention, elle n'a un intérêt que gagnant-gagnant. Évidemment, on vous change vos luminaires pour des LED gratuitement, on vous fait la pose gratuitement, on vous fait aussi cette isolation qui vous permettra d'économiser aussi l'énergie. Donc forcément, on ne pouvait qu'acquiescer et être d'accord avec une telle convention. Et je remercie M. Ayadi de nous avoir fait cette proposition. Et moi, j'invite tous les adhérents de l'USCP et tout habitant, propriétaire, bailleur, exploitant de commerce ou entreprise à Pointe-à-Pitre, de bien vouloir collaborer avec l'entreprise de M. Ayadi qui, eux, feront la démarche. On n'a rien à faire, uniquement à faire savoir où il y a des ampoules et à changer. Donc, je vous remercie, M. Ayadi, d'avoir pensé à nous et je suis heureux de signer cette convention avec vous. Donc, on est spécialisé dans l'isolation et la rénovation du bâtiment en général et nous sommes actuellement sur le programme de la loi sur la transition énergétique pour permettre, en fait, de faire donc, des économies d'énergie puisqu'on est sur le marché des certificats d'économie d'énergie et permettre en fait aux collectivités ainsi qu'au domaine tertiaire, donc toutes les entreprises et tous les commerçants, de pouvoir bénéficier des programmes du gouvernement qui va permettre de faire des changements de luminaires, en l'occurrence sur les luminaires donc, halogènes, et passer en fait à des luminaires LED. Et on a développé en plus donc, le marché de l'isolation pour faire encore des économies d'énergie sur la partie toiture, des dom-toms en l'occurrence. Alors pour la phase pratique, il va y avoir en fait donc une session donc de prise de commande. Une fois la prise de commande faite avec toute la participation donc du moins de toutes les collectivités, on est encore en attente de signature définitive. Et à partir de là, donc on va lancer une fabrication qui va prendre à peu près 2 mois. Et après, il va y avoir la partie acheminement qui, elle, va prendre à peu près entre 15 et 20 jours et pour arriver in fine dans les ports respectifs des 5 dom. Et pour arriver après en fait à la partie installation où donc nos propres équipes vont venir installer dans chaque magasin avec des prises de rendez-vous chez chaque commerçant pour pouvoir finaliser cette opération de changement de luminaire LED.